Donc première citation, j'ai choisi là Frédéric II, roi de Prusse, considéré protecteur de Voltaire et considéré comme un despote éclairé. C'est, je crois, pour lui qui a été inventé d'ailleurs le terme. Et grand admirateur des Lumières, né en 1712 et 1786. Donc voilà ce que dit Frédéric II de Prusse dans son testament politique. Les Juifs sont de toutes ces sectes la plus dangereuse, à cause qu'ils font tort au négoce des chrétiens et qu'ils sont inutiles à l'État. Nous avons besoin de cette nation pour faire un certain commerce en Pologne, mais il faut empêcher que leur nombre n'augmente et les mettre non pas à un certain nombre de familles, mais à un nombre de têtes, et resserrer leur commerce, les empêcher de faire des entreprises en gros, pour qu'ils ne soient que détailleurs. Nous avons trop de Juifs dans les villes, il en faut sur les frontières de la Pologne, à cause qu'il n'y a dans ce pays que les Hébreux qui fassent le négoce. Dès qu'une ville est éloignée de la Pologne, les Juifs y deviennent préjudiciables par leur usure, par la contrebande qui passe par eux et par mille friponneries qui tournent au détriment des bourgeois et des marchands chrétiens. Je n'ai jamais persécuté les gens de cette secte ni personne. Je crois cependant qu'il est prudent de veiller pour que leur nombre n'augmente pas trop. Voilà. On voit comme ça que Frédéric II était totalement en accord avec la pensée profonde de son maître à penser qui était Voltaire. Voltaire, qui, je le rappelle, est un antisémite carabiné, et je pense que la LICRA devrait faire un procès pour qu'on expurge les œuvres complètes de Voltaire, des dizaines et dizaines de pages d'un antisémitisme délirant qui rejoint Bagatelle pour un massacre de Céline dans l'hystérie antisémite, hein, avec d'ailleurs la même drôlerie et la même emphase. Voilà. Donc deuxième personnage que j'ai choisi, je dis il y en a tellement que je pourrais faire ça pendant 20 ans. Alors c'est plus inattendu, enfin, quoique, George Orwell, voilà. George Orwell, écrivain anglais de son vrai nom d'ailleurs, Eric Arthur Blair, né en 1903 aux Indes britanniques, mort en 1950 à Londres. C'est l'auteur du fameux roman d'anticipation 1984 sur le totalitarisme. Et c'est aussi, vous le savez depuis plus récemment, l'auteur préféré de Michéa, qui est l'antibéral et anarchiste chic, très respecté en ce moment, à juste titre. Voilà. Je considère en effet cet auteur, et depuis longtemps, comme l'un des penseurs les plus originaux et les plus radicaux de la scène intellectuelle française. Avec lui, les repères trop faciles, avec lesquels nous autres médias croyons pouvoir border le champ, volent en éclats. Et c'est tant mieux. Socialiste, conservateur, populiste, tout cela à la fois sans doute et encore bien d'autres choses. Michéa ne se reconnaît guère qu'un seul devancier, vous l'avez dit, c'est George Orwell. Son dernier livre est d'ailleurs une réflexion critique sur l'état intellectuel de la gauche française menée à la lumière de la pensée orwellienne. Donc je vais vous lire un extrait donc de Orwell, hein. Voilà. Extrait d'un livre publié en 1933, je crois que c'est son premier livre d'ailleurs, qui s'appelle « Dans la dèche, à Paris et à Londres ». N'ayant pas appris à compter, je dépensais à tort et à travers, et il m'est plus d'une fois arrivé de rester tout un jour sans manger. Quand cela se produisait, je vendais quelques effets personnels que je sortais discrètement de l'hôtel, enveloppés dans de petits paquets discrets, et que je portais à un fripier de la rue de la montagne Sainte-Geneviève. L'homme était un juif aux cheveux roux, un homme extraordinairement désagréable, qui entrait parfois dans de violentes colères à la seule vue d'un client, comme si celui-ci l'insultait en entrant dans son échoppe. « Merde !» s'écriait-il. « Encore vous ? Vous me prenez pour qui ? Pour le fourneau économique ?» Et il offrait des prix dérisoires. Pour un chapeau que j'avais payé 20 shillings et à peine porté, il m'accordait 5 francs. Pour une bonne paire de chaussures, 5 francs encore. Pour des chemises, 1 franc la pièce. Il préférait échanger qu'acheter et avait mis au point un truc qui consistait à vous fourrer entre les mains un quelconque article sans valeur et à faire comme si vous aviez accepté l'objet en paiement. Je l'ai vu un jour prendre un très bon par-dessus à une vieille femme, lui coller dans la main 2 boules de billard et la pousser vivement vers la sortie sans lui laisser le temps de protester. C'eût été un véritable plaisir que d'aplatir le nez de ce juif pour quelqu'un, en tout cas, qui se fût trouvé en situation de le faire. Voilà. Citation donc de Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, pages 27 et 28 dans la collection 10-18. Je vais poursuivre maintenant du même, pages 49 et 50 du même livre. Certains jours, Boris paraissait avoir touché le fond. Il restait avachi, refoulant les sanglots qui lui montaient à la gorge pour vouer aux 100 000 diables le juif dont il partageait la chambre. À en croire Boris, un Anglais comme moi ne pouvait pas concevoir le supplice que cela représentait pour un Russe de bonne famille de se trouver à la merci d'un juif.
Un juif, mon ami, un véritable juif, et qui n'a même pas la pudeur de se voiler la face. Quand je pense que moi, ancien capitaine du tsar, et voilà où j'en suis, à manger le pain d'un juif, un juif, je vais te dire comment sont les juifs. Un jour, c'était dans les premiers mois de la guerre, nous étions en campagne, nous nous arrêtons dans un village pour y passer la nuit. Un juif horrible, un vieux juif avec une barbe rousse de Judas Iscariote, arrive à se faufiler jusqu'à mon cantonnement. Je lui demande ce qu'il veut. « Excellence, me dit-il, je vous ai amené une jeune fille, une très belle jeune femme, pas plus de 17 ans. » « Merci, je lui réponds, je n'ai pas envie d'attraper de maladie. »« Des maladies, s'écrie le juif, mais monsieur le capitaine, vous n'avez aucune crainte à avoir, c'est ma propre fille. » Voilà le caractère juif. T'ai-je déjà dit, mon ami, que dans l'armée du tsar, il était très mal vu de cracher sur un juif, car l'on considérait que la salive d'un officier russe était chose trop précieuse pour être gaspillée sur cette race. Voilà. Donc ça, ce sont des écrits de George Orwell, voilà, considéré comme le pape d'un certain anarchisme, et très aimé en ce moment, à juste titre d'ailleurs, par Michéa. Voilà. Donc George Orwell, antisémite carabiné, comme tous les autres. Donc je demande aussi à la LICRA de veiller à ce que ce soit expurgé, les passages antisémites de ce livre qui est édité chez 10-18 et qui s'appelle, je vais redire le titre, « Dans la dèche à Paris et à Londres hein, ». Comme ça, je vais aider un peu la LICRA à faire le ménage. Hein. Comme ça, à la fin, il ne restera plus qu'eux, finalement. Hein, Donc après, pour continuer dans la rigolade, j'ai choisi un petit texte de David Ben-Gourion. Hein. C'est plus subtil. De son vrai nom, David Grun, né le 16 octobre 1886 en Pologne, et mort le 1er décembre 1973 en Israël, dont il est le fondateur officiel. Voilà. Alors c'est pour vous dire effectivement ce que dit Ben-Gourion, et ce qu'on dirait d'un homme qui dirait ça aujourd'hui. Hein, voilà. Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promise, mais comment cela pourrait-il les concerner? Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devrait-il accepter cela? Voilà. Après, donc c'est cité par Naoum Goldman dans Le Paradoxe juif, page 121. Voilà. Donc ça serait aujourd'hui considéré comme de l'israélophobie par le patron du CRIF. Voilà. Cette interpellation, je l'appelle israélophobie. Je ne demande évidemment pas à l'interdire, je demande à y réfléchir. Donc une autre citation de David Ben-Gourion, qui à l'époque avait au moins une certaine honnêteté par rapport au faux cul actuel sioniste qui nous dirige. Donc, ne nous cachons pas la vérité. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Ce pays est le leur parce qu'ils y habitent, alors que nous venons nous y installer, et de leur point de vue, nous voulons les chasser de leur propre pays. Derrière le terrorisme des Arabes, il y a un mouvement qui, bien que primitif, n'est pas dénué d'idéalisme et d'autosacrifice. L'israélophobie est devenue depuis lors une passion collective. Elle pave la voie de la délégitimation d'Israël et devient, même si c'est involontaire, un vecteur de haine antisémite. Discours de 1938 de David Ben-Gourion. Voilà. Pour ceux qui parlent en permanence aujourd'hui de terroristes à propos du Hamas, du Hezbollah, ou comme ceux comme Elisabeth Lévy qui se plaignent que certains Palestiniens osent envoyer des roquettes foireuses qui tuent jamais personne. C'est très drôle. Les roquettes qui tombent sur Israël, ça vous fait marrer? Sur Israël qui est jamais que le pays qu'ils leur ont volé. Voilà. Voilà. David Ben-Gourion, qui était pourtant pas rigolo, qui était un faucon, et quand même beaucoup moins faux cul qu'une certaine Elisabeth Lévy sur le sujet. Voilà. Il faut le rappeler. Donc David Ben-Gourion, quelque part, serait considéré comme antisémite aujourd'hui pour ce genre de déclaration. Hein, voilà. Alors, petite pause pour nous remettre de tout ça. J'ai aussi choisi les antisémites par l'image, pour changer un peu. Donc, comme en ce moment, j'ai vu qu'il y avait un très beau documentaire sur Méliès, parce qu'ils ont recolorisé entièrement, grâce à Lobster Film d'ailleurs, dont je connaissais le patron à l'époque, le voyage dans la Lune. Il va falloir sauver tout ce qui peut l'être de la copie couleur. Certaines images ont survécu sans pratiquement aucun dommage, mais il est rare que plus de 5 images successives ne nécessitent aucune intervention. Sans parler des images fragmentaires ou manquantes. Pendant 10 mois, l'équipe de restauration va revenir sur chaque image. Stabiliser, retoucher, compléter les manques. Bref, supprimer une à une les atteintes du temps.
Ils ont ressorti une version restaurée qui n'existait pas, la version colorisée. Donc on va montrer un petit film de Méliès, qui est un des pères du cinéma et du cinéma d'art, le génie français, mort d'ailleurs relativement dans la misère à cause du lobby du cinéma américain, qui lui ont volé ses films sans jamais lui payer ses droits. On va mettre un petit court-métrage de Méliès sur le juif errant, qui est un petit film totalement antisémite. Hein. Et puis, pour faire bonne mesure, on en a un autre, là, qui est une petite vidéo très courte des Beatles, qui s'amusent à faire le salut nazi. Et qui seraient considérés aujourd'hui comme quelque chose qui leur vaudrait la mise à mort culturelle et d'être voués aux gémonies comme Lars von Trier. I understand Hitler. Je comprends Hitler. Comme Galliano. Are you blind? Are you blind with him? No, but I love Hitler. See, people like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God. Ou comme Oliver Stone, quand il a osé déclarer dans un débat radiophonique où il s'est un peu lâché à dire ce qu'il pensait vraiment, que le peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale, à bien y réfléchir, était le peuple allemand. Qui n'est jamais d'ailleurs que ce que prétend depuis des années Robert Forisson, et qui, quand on regarde les chiffres, n'est pas totalement dénué de fondement si on regarde le bain de sang qui a été le bain de sang qui a subi le peuple allemand entre 1939 et 1952-53. Par rapport à sa population initiale, c'est la plus grosse éradication qui existait, même je crois que c'est même en proportion supérieure aux Russes. Voilà, ça se discute. Voilà. Voilà.